Salut la compagnie, salut les geeks, salut les gamers, c'est moi Petit Poussé. Alors aujourd'hui on va partir sur la bataille avec les marathes numéro 2. Alors j'ai sélectionné cette bataille parce que mon adversaire avait clairement montré sur celle-ci beaucoup plus de skills que mon adversaire de la première bataille. Donc on va passer directement à ma compo d'armée. Alors en tête de mon dispositif j'ai déployé 5 régiments de mousquetaires Sikh et par accident j'ai aussi déployé un régiment d'infanterie du Bargir. Donc c'est une erreur de ma part, néanmoins ça aura pas beaucoup d'influence sur le combat, hein. Elle a juste des moins bonnes qualités que les mousquetaires Sikh. Sur les arrières de mes mousquetaires, j'ai déployé 6 régiments de guerriers Sikh à pied, donc toujours les mêmes, hein. Ils ont d'excellentes stats, ils subissent pas le feu, et ils sont équipés de leur petit cimeter et de leur bouclier rond, donc moi je trouve qu'ils commencent à avoir de la gueule et je commence même à les apprécier, pour dire. Alors sur mon flanc gauche, j'ai déployé 3 régiments des excellents lanciers Sipahi. Et sur mon flanc droit, seulement 2 régiments, donc ça me fait quand même 5 régiments de Sipahi, donc beaucoup de cavalerie. Et maintenant, passons à l'armée de mon adversaire. Alors, on peut compter 7 régiments d'infanterie de ligne, donc c'est une formation très lourde. Nous avons une batterie de canons de 24 livres, ainsi qu'une deuxième. Mais curieusement, la première batterie n'est pas déployée. Par contre, la deuxième, elle, a été déployée, donc soit c'est une erreur, soit il veut se laisser une opportunité de tir rapide. Alors sur son flanc droit, mon adversaire a déployé un régiment de dragons légers, un régiment de chevaux médiocres, mais ça fait le taf, et enfin un régiment d'excellents cavaliers lourds, et eux par contre sont vraiment une terrible menace pour mes marathes. Au centre de son dispositif, nous avons son général accompagné par tous ses gardes du corps. Alors sur son flanc gauche, mon adversaire a déployé le même dispositif que le flanc droit, donc un régiment de chevaux, un régiment de cavalerie lourde et un régiment de dragons légers. Donc ça lui fait quand même beaucoup de cave, hein, et de la bonne cave. Donc on va voir comment il va micro-gérer ça. Et du coup, maintenant que les banalités sont terminées, on peut enfin commencer la game. Donc comme d'hab, je vais me mettre en formation défensive et attendre que mon adversaire attaque. Eh putain, non, bien sûr que non. Je vais me jeter à l'offensive direct avec toute mon armée et me dépêcher afin d'éviter de subir trop de pertes à cause de ces canons. Et là, immédiatement, ceci ouvre le feu, donc d'un tir précis. Et voilà, vous voyez, il tire en shrapnel, donc là mon adversaire me montre clairement qu'il n'est pas un noob et qu'il sait utiliser et micro-gérer ses canons. Vous voyez les résultats comme assez dévastateurs, hein, sur mes troupes qui avancent, puisque déjà on compte les premiers morts dans mes mousquetaires ainsi que dans mes guerriers. Donc il faut vraiment que je me dépêche, hein, et éviter de subir trop le feu de son artillerie. Au même instant, sur mon flanc gauche, mes 3 régiments de cavalerie subissent le feu de la batterie de 24 livres. Et déjà, j'ai passé près de 20 cavaliers marathes qui gisent sur le sol. Donc dans la foulée, je vois que ces canons sont pas protégés. Bah, je vais leur donner une charge, hein. Et c'est sans encombre que mes cavaliers vont arriver au contact de la batterie d'artillerie et balayer toute résistance des artilleurs américains. Au centre du dispositif, le combat s'engage avec une unité de fusiliers qui est dissimulée. Néanmoins, mes marathes sont en mesure de lâcher un feu d'enfer sur celle-ci sans être accrochés par l'infanterie de ligne suédoise positionnée derrière. Et là, je commets une terrible erreur en chargeant face un régiment de dragons qui lâche une salve terrible sur mes Sipahi, qui déroutent immédiatement sous la violence de l'impact. Sur mon flanc gauche, j'essaie de venir charger la deuxième batterie de canon sur ses arrières, et je me fais accrocher par l'infanterie de ligne suédoise ainsi que par ses dragons légers. Et voyez le duel des deux infanteries de ligne qui débute, et voyant le carnage que cause la deuxième batterie d'obusiers de 24 livres, je décide de faire avancer un régiment de mousquetaires Sith afin d'abattre les artilleurs suédois directement à bout portant. Et voyez le déluge de plomb qu'ils sont en mesure de lâcher sur les artilleurs, qui ripostent à coups de mitraille aussi, hein. Donc, néanmoins, après quelques courtes secondes de feu, il ne reste plus que 8 artilleurs suédois en mesure d'utiliser les canons contre les troupes marathes. Alors que sur le flanc gauche, ma cavalerie s'est faite salement accrocher par la cavalerie suédoise, je décide d'engager mes 2 régiments de guerriers Sikh afin de finir les 2 régiments d'infanterie ligne suédois déjà mal en point. Les lignards suédois parviennent alors à lâcher une ultime sabre qui fera que très peu de dommages aux guerriers Sikh. Et ceux-ci, dégainant leurs sabres et hurlant à plein poumon, se jettent à l'assaut des premières positions suédoises qui sont rapidement submergées par ce raz-de-marée venu des Indes. À droite du dispositif, une infanterie de ligne suédoise, comptant pourtant 75% de ses personnels, part en déroute sur le feu croisé de 2 régiments de mousquetaires Sikh Marat. L'un de ces 2 régiments qui était parvenu à passer derrière les lignes suédoises subit de plein fouet la charge d'un régiment de chevaux dont l'impact est accentué par la pente en sa faveur. Aussitôt, un vent de panique souffle au sein des guerriers indiens, mais néanmoins, ils tiennent le terrain et résistent avec hargne à l'assaut des cavaliers suédois. Et c'est ce moment que choisit mon général pour être tué au combat. Donc ça va pas arranger le moral de mes troupes qui est déjà particulièrement faible avec les marathons. Et voyez, conséquence directe, j'ai une unité de guerriers Sikh qui part en déroute, ainsi que de mousquetaires à proximité, donc c'est un tournant de la bataille, hein. Alors que je contrôlais bien l'engagement, mon adversaire reprend le dessus. Sans plus attendre, je décide de forcer la décision et j'engage mes 2 régiments
de corps à corps sur le flanc droit afin d'essayer de bousculer et d'anéantir les deux derniers régiments d'infanterie suédois qui se font face. Aussitôt, une terrible mêlée s'engage au corps à corps. Alors sur mon flanc gauche, ça tourne au cauchemar puisque j'ai pas loin de 4 régiments qui sont en train de fuir sous les coups des Suédois et c'est tout mon front qui en passe de s'écrouler. Alors au centre du dispositif, je suis en mesure d'encercler une unité d'infanterie de ligne avec deux régiments de guerriers au corps à corps. Et immédiatement, cette unité suédoise va partir en panique sous les coups de cette nouvelle menace. Sur mon flanc droit, les Sikhs, appuyés par une unité d'infanterie de ligne du Bargère, sont à leur tour en mesure de faire fuir une unité d'infanterie de ligne suédoise, mais sont fortement pris à partie par une autre unité d'infanterie de ligne suédoise à plein effectif. Immédiatement, celle-ci se fait charger par le régiment de corps à corps Sikh libéré de ses entraves, et toujours appuyé par le régiment d'infanterie de ligne du Bargère sur ses arrières. Sur mon flanc gauche, deux unités de mousquetaires Sikh et une unité de corps à corps font face à une multitude d'unités suédoises. Néanmoins, la balance est en train de retourner en ma faveur puisque deux régiments de mousquetaires Sikh se reforment et se déploient rapidement pour venir prendre en deux feux un régiment de ligne suédois. Rapidement, les lignards sont pris en deux feux, mais ceux-ci tiennent le terrain malgré les blessures, les pertes et rendent coup pour coup à mes mousquetaires Sikh. Avec force, près de 60 cavaliers se jettent à l'assaut d'une unité d'infanterie marathe qui a le temps de se mettre en carré et de riposter avec hargne à l'assaut des cavaliers suédois. Au même instant, une des deux unités d'infanterie qui vient de se reformer subit la terrible salve à bout portant d'un régiment de dragons et part immédiatement en panique pour de bon. À proximité, l'unité suédoise prise en deux feux résiste obstinément et voyez le nombre de corps au sol. C'est juste hallucinant, je comprends pas comment cette unité tient encore la ligne après avoir subi de telles pertes. Non loin de là, le général et tous ses gardes du corps vont tenter une charge sur un carré de mousquetaires Sikh. Mais mon adversaire sous-estime grandement les capacités défensives de mes hommes. Et un à un, les cavaliers lourds suédois sont désarçonnés, jetés au sol et tués à coups de baïonnette. Tentant de fuir, le général se fait accrocher et meurt à son tour sous les coups de mes fantassins. Sur mon flanc droit, la cavalerie suédoise vient contrecarrer mes plans et une charge massive de cavalerie lourde et d'un régiment de chevaux parvient à mettre en déroute mes deux régiments de corps à corps ainsi que mes mousquetaires Sikh. Finalement, après avoir subi des pertes terribles, le régiment d'infanterie suédois se débande. Néanmoins, des dragons légers viennent à son secours et engagent au corps à corps les mousquetaires Sikh. Mais ceux-ci regroupés en carré n'ont aucun mal à venir à bout des cavaliers suédois bien moins habiles au corps à corps qu'avec leurs carabines. Sur le flanc gauche, les combats continuent et un intense duel de mousqueterie éclate entre deux régiments épuisés et au bout du rouleau. À proximité de ce duel de mousqueterie, une unité de fusiliers suédois harcèle avec véhémence une unité de mousquetaires Sikh, qui est d'ailleurs sur le point de se faire charger par un régiment de chevaux. Mais à la dernière seconde, les Sikhs passent en carré et mon adversaire parvient à ralentir à l'ultime seconde l'impact de ses cavaliers. Il les retire voyant la formation compacte de mes guerriers Sikhs. Voyant les renforts marathes qui affluent, l'unité d'infanterie de ligne suédoise se débande et ils ne sont plus que 29 membres sur les 160 initiaux. Donc chapeau messieurs les Suédois d'avoir tenu aussi longtemps sans votre général. Face à la menace qui arrive sur les flancs de ses fusiliers, mon adversaire va pas chercher à s'accrocher le terrain et il va tenter de sauvegarder ses fusiliers en les repliant sur une position plus safe. Alors à ce moment là de la game, il me reste plus que 3 régiments de mousquetaires Sikh salement amochés et enfin un régiment de guerriers Sikh au corps à corps qui dispose encore de 145 personnels sur 160, donc une bonne force offensive. Alors mon adversaire suédois lui dispose encore de ses fusiliers hein, qui sont nombreux. De deux régiments de chevaux, l'un à moitié d'effectif et l'autre à quasiment plein effectif, d'un régiment de cavalerie lourde qui dispose encore de la moitié de ses membres, et de deux régiments d'infanterie de ligne vraiment salement amochés qui feront pas le poids face à mes guerriers Sikh, et enfin d'un régiment de dragons légers à 50% d'effectif. Donc je vais pas chercher à tenir le terrain en bas de la colline et je vais essayer de prendre un peu de hauteur histoire d'avoir une meilleure vue du champ de bataille et pouvoir mieux apprécier les mouvements. Néanmoins mon adversaire est vraiment à la guet de chaque occasion. Et voyant que mon régiment de guerriers Sikh à pied est en retard par rapport aux mousquetaires, il va détacher un régiment de dragons qui va être capable de lâcher une salve mine de rien dévastatrice dans le dos de mes Sikhs. Et immédiatement il va se replier pour éviter de trop avancer et de subir le feu de mes mousquetaires. Donc c'est très bien joué ce petit move là. Alors mon adversaire, il va pas se presser, il va faire marcher ses troupes et va tranquillement redéployer son dispositif. Il va m'encercler avec sa cave et faire avancer son infanterie de ligne. Donc le gros problème pour moi à ce moment-là, c'est les fusiliers ennemis en fait. Hein. Ils ont une meilleure portée que moi, donc je vais essayer de les rusher. Et je vais rapidement engager un régiment d'infanterie à toute vitesse pour les empêcher de pouvoir lâcher plusieurs salves.
Et cette technique va s'avérer payante puisque je vais être en mesure de lâcher une quantité de stats non négligeable alors que lui va lâcher seulement que 3 ou 4 feux, donc c'est une bonne affaire pour moi. Alors dans la foulée, pour protéger mes flancs, je vais déployer mes deux autres régiments de mousquetaires sikhs afin de venir protéger contre une éventuelle charge de cavalerie ennemie, vu qu'il a quand même un sacré paquet de caves. En utilisant ma supériorité numérique, je parviens à mener un enveloppement de mon adversaire et à lâcher une nouvelle salve sur ses fusiliers. Celle-ci connaît alors un début de panique immédiat, mais insuffisant tout de même pour la faire quitter le champ de bataille. Et c'est le moment que choisit mon adversaire pour lancer ses régiments de chevaux à l'assaut de mes mousquetaires dans une grosse charge frontale. Mes fantassins tentent de se mettre en carré, malheureusement le choc est trop brutal et leur morale trop amoindrie. Et immédiatement ceux-ci partent en panique. Et à ce moment-là de la game, j'avais même pas vu ce régiment de chevaux me charger. Je savais pas qu'il était là, ce régiment de chevaux. Il est venu me charger de plein fouet, j'ai pas pu me mettre en carré, et le choc a été terrible. D'ailleurs, immédiatement, mes unités partent en déroute. Et vous voyez, au centre de mon dispositif, je fais une charge frontale avec mes guerriers sikhs à pied. Mais les fantassins suédois m'accueillent avec une volée de plomb, et mes gars, qui ont déjà un moral très très bas, sont épuisés, partent immédiatement en déroute. Et mon adversaire veut clairement finir la game rapidement et décide d'engager toute sa cave sans se soucier de la position ou quoi que ce soit dans une charge frontale sur ce qui reste de mes troupes. Le résultat se passe de comment faire. Et l'écran de défaite qui s'affiche. Donc un grand GG à mon adversaire. Il a vraiment excellemment bien joué. Je pense qu'il m'a complètement out micro. Je veux dire qu'il a mieux géré ses unités, particulièrement sa cavalerie. Il a su replier des unités quand il fallait, pour après mieux les réengager. Alors que moi, j'ai perdu ma cave bêtement, j'ai fait des grosses erreurs, et dans ce genre de partie, c'est celui qui commet le moins d'erreurs qui gagne. Et lui en a fait moins que moi, et a mieux micro-géré que moi, donc il mérite la victoire. Et je pense que c'est une bataille intéressante, elle montre que les marathes sont battables au corps à corps. Voilà, donc c'était Petit Poussé, j'espère que vous avez apprécié cette bataille. Je vais en faire d'autres avec les marathes, hein. Peut-être que je vais commencer aussi à utiliser un peu l'artillerie lourde marathe. Histoire de cramer un peu les moustaches de mes adversaires. Donc, au plaisir de vous revoir sur une prochaine bataille. Passez une bonne soirée. À ciao, ciao. Bye bye.